Il y a personne. Viens. Tu peux me dire ce qui se passe, au juste? Tu me demandes ce qui se passe? Ellie, je viens de te voir inhaler des spores. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. Arrête, je t'en prie. J'ai été mordue, il y a déjà longtemps. Mais putain, de quoi est-ce que tu parles ? J'ai été mordue et il s'est rien passé. La brûlure à ton bras. Maria et Tommy... et Joël sont les seuls au courant. Toi aussi, maintenant. Je suis pas contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Je crois que je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Il n'est pas de toi, je te rassure. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. Il faut seulement que je me pose un... Oh, c'est pas vrai, tu te fous de moi. Depuis quand t'es au courant? Ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines? On aurait pu faire demi-tour. J'en savais rien, j'en étais pas sûre, ok? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. M'assurer qu'il n'y a personne dans le coin. Repose-toi. Thank you.
Ok. Ça date d'un moment. Quand même, vaut mieux faire gaffe. Faut que je remette le courant. Bon sang. T'as grillé? C'était pas ton truc, l'électricité. C'est quoi ça? Nickel.
Génial. Flippant. J'y crois pas. Ça donnait quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais non. Faut juste que la corne se fasse, c'est tout. Ouais. Allez, tu viens? On y est? Ouais. Oh, putain. Allez, j'essaie de deviner. Quoi? Tu veux gâcher la surprise? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure? Pas la peine de te fatiguer, je dirais rien. On verra. Est-ce que c'est un éléphant? Est-ce que c'est un cabriolet? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un paquet de chatons? Une portée, tu veux dire? C'est quoi une portée? Un groupe de chatons. Alors avance, au lieu de parler. Fais attention. T'inquiète. Hop. Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste! Tu nages de mieux en mieux. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens, mais repousser l'eau avec le bras entier. Bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Ellie, viens là, regarde un peu ça. Tu le vois, juste là, regarde. Ouais. Je le vois. Ouais. On dirait... Tiens. Alors, ça fait quoi? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein? Eh ben... En fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé. T'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. On va devoir passer là-dessous.
Inspire à fond. Ouais, pas de problème. D'histoire de sixième qui s'excuse d'être un gros con. Je te demande pardon. Moi et une copine, ils nous énervaient quand ils traitaient les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en col. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes ? Est-ce que c'est... une nouvelle paire de baskets ? Est-ce que t'en as pas assez comme ça ? Sûrement pas. Viens là. Ok. Ça me saoule, j'arrête de deviner. Ah, enfin. Mais, bon, est-ce que c'est une énorme collection de BD ? Non, attends, une collection de DVD ? Oui. Laquelle ? Juste, oui. C'est des laserdiscs ? J'en entends pas. J'y crois pas, Joël. On y est. C'est vraiment un dinosaure. Tu l'as dit. Joël. Surprise. Je le crois pas. Putain, c'est un dinosaure. Le roi des lézards tyrans. Il est énorme. Muséum d'histoire naturelle du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit ? Maria, c'est elle qui m'en a parlé. Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. C'est quoi ? C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. Génial. Tu veux l'essayer ? Pas du tout. Comme tu veux. Oh, regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un déno... Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait, dans le film que j'ai vu. Bonjour, désolé, mais les dinosaures ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh, attendez ! Un des dinosaures est arrivé. Joël, c'est pour toi. Très drôle. Ouais, c'était très drôle. Parce que t'es vieux.
Mais oui, j'avais compris. Ok. Compsognathus. Drôle de nom pour de ces petits trucs. Ouais, il grouillait. Ça aussi, tu l'as vu dans un film ? Eh bah ouais. Mais pas dans le même. En fait, ils ont fait une suite. C'était moins bien. Petite tête. Joël, regarde. Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Oui, c'est un chapeau-zor. Wow, le cerveau de celui-là faisait la taille d'une noix. Ah, c'est vrai. Mais alors, ça vous fait un point commun. Oh, très drôle. Triceratops. Oh. Enfin que je reconnais. C'est vraiment indispensable. J'espère qu'elle va pas tous les faire. Triceratops signifie tête à trois cornes. T'avais pas intérêt à te retrouver en face de ce gars-là. Eh ben. Le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur ? C'est un prédateur qui déchire. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. Si ça peut te faire plaisir. Bah oui, ça me fait plaisir. Le nom Gallimimus signifie qui imite la poule. Qui trouve ces noms ? Les scientifiques. Bah, ils sont nuls. Le brachiosaure mangeait 300 kilos de plantes par jour. Ouh, imagine les crottes. Il y avait une scène où, en fait, un des personnages dit « C'est vraiment un gros tas de merde ». C'est quoi ce film et quand est-ce qu'on le regarde ? Tu sais quoi ? Quand on rentre à Jackson, soirée film. Vélociraptor. Joël, c'est celui dont tu parlais, le Vélociraptor. Il est tout petit. Rien à voir avec celui du film. Regarde l'épaisseur de son crâne à lui. Il ressemble un peu à Tommy. Je lui dirais que t'as dit ça. Non, pitié. Sous le bon angle, c'est Tommy, tout craché.
Eh ben. Wow, celui-là ressemble à un oiseau. Eh ben, en fait, les paléontologues pensaient que les oiseaux descendaient des dinosaures. Oh. Pardon, monsieur le professeur. Qu'est-ce que tu crois? Je sais des choses. Grâce à un film. Continue. Souvent au musée. Ouais. Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. On dirait une girafe. Ouais, je trouve aussi. Je reconnais que c'est drôle. Tu vois ?